Pia mwanze kubapatia masadaka njua kubazoea wanze kupeleka sadaka mnyumba ya Mungu. Au reste, que le Seigneur bénisse. Binabaki Mungu ambariki. Que le Seigneur bénisse richement nos frères. Et maintenant, nous allons inviter le frère David. Vous pouvez passer, jouer quelque chose. Pendant qu'il s'avance, vous pouvez quand même l'encourager. Que Dieu bénisse l'Église. Je vais commencer par me présenter. Pour les uns, je suis un inconnu. Moi, c'est le frère Bill David. Je ne suis pas d'ici, mais c'est ici que je suis pour l'instant. Et j'ai un petit don de la part de Dieu. Alors, partout où je suis, je dois l'exprimer. Vous allez me le permettre au nom de Jésus-Christ. C'est un cantique que vous connaissez certainement. Par sa vie,
Je puis proclamer que son nom la sanctification le recommande. Il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice et la vallée et la rose de Saron. Il est l'alpha et il est l'oméga, Jésus-Christ est tout en tout. Il est mon sauveur, il est mon rocher, le lys de la vallée et la rose de Saron. Il est l'alpha et il est l'oméga, Jésus-Christ est tout en tout. C'est cola cola dans colo Jésus. C'est cola cola dans colo Jésus. Ni colo danse ya bon inaka. Na kuvada na boca nae. Sikola kola dankolo Yesu. Sikola kola dankolo Yesu. Nikolo nyonso ya bomo nakae. Na kuvanda na mboka. Que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup. Et qu'il bénisse richement notre frère. Frère Isaac, je vous donne 5 minutes. Que Dieu vous bénisse. Le ciel est nuageux, c'est comme si tout est fini. Le matin vient, mais avant cela, regarde dans le ciel, il fait tellement noir, c'est comme si tout est fini. Mais quelque part, tu verras l'étoile polaire qui brille plus fort. Annoncer la venue du soleil, mais quelque part, mon frère, tu verras l'étoile du matin qui brille plus fort pour annoncer un nouveau jour. Mais quelque part, oh, tu verras l'étoile polaire qui brille plus fort pour annoncer la venue du soleil. Oh, 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 oh.
ils ont crié, oh Moïse, il fallait nous laisser là-bas en Égypte. Israël, devant la mer rouge, ils ont crié, oh Moïse, il fallait nous laisser. Même en Égypte, par devant eux, il y avait l'obstacle, la mer rouge, derrière eux. L'armée de Pharaon qui venait, la délivrance vient, mais avant cela, en Égypte, les mauvais s'accumulent. Oh mon frère, c'est toujours comme ça, ton élévation vient, mais avant cela, dans ta vie, il y a quelle humiliation. C'est comme si tout est fini. C'est là, dans ta vie, les douleurs s'accumulent. C'est comme si tu veux mourir. Au soleil, fontaine de vie, lève-toi dans la vie de mon frère pour apporter la paix, shalom. Au soleil, fontaine d'amour, lève-toi dans la vie de ma soeur pour remporter la joie perdue. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse richement notre frère. Maintenant, nous allons les louer ensemble. Je vous prierai de vous pouvoir vous tenir debout. Je pense que ce matin, le désir de chacun de nous, c'est aller au ciel. Oui, c'est notre raison ici. Nous allons prendre le numéro 8. Oh, je désire le voir. Son enlèvement
trembleront. Oh oui, oh quelle musique, oh quel chant rétentiront dans cette terre. Oh, qu'on le rachète, si à son, qu'on le rachète. J'ai m'envolé,
saillot, tout en saillonné. Tu me saillonnes, ni naïe, ma libre mère. Bébé, aïe, ma libre mère. Un saillonné, qu'on a me causé. Wango, on a me causé. Aime toi, on a me causé. Ma libre mère. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Eti tunaweza kupiga makofi ndio ya Bwana. C'est merveilleux. Dieu aime une pareille louange. Mungu anapenda maabudu kama hiyo ni adamani. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu ambariki kwa utajiri. Je crois que vous êtes content d'être dans la maison du Seigneur. Nazani mungu na furaha kwa nyumbani mwa Bwana. Je suis également content de vous voir tous être venus. Mimi pia na furaha kumiona nyinyi wote kuja hapa. C'est bien de se réunir ensemble et d'adorer le Seigneur. Ni mzuri kukusanyika pamoja na kuabudu Bwana. Il y a quelqu'un qui est avec nous dans l'auditoire invisible. Au kumitandao qui est en train de suivre de plus près. Mwenye anatufuata na utaratibu. C'est notre pasteur. Ni pastori wetu. Il m'a demandé de vous saluer dans le nom du Seigneur. Na niomba ni mipatie vous salut. Vous pouvez accepter ces salutations, il se voit. Mwenye kukubali ile jambo. Notre pasteur, le pasteur Eli vous a salué. Pastori wetu, pastori Elia anamilamkia. Il m'a dit de vous dire que vous a, il va très bien. Ananyambia nimeambie eko na afya njema kabisa. Eko son repos se déroule très normalement. Na kupumuzika kwake ni kama kawaida. Et nous louons le Seigneur pour cela. Tunasifu Bwana njua ile. Ça nous fait du bien quand nous avons de pareilles nouvelles. Inatufurahisha wakati tunapata mahabari mzuri kama hiyo. Et nous aussi nous lui disons que nous allons très bien. Sisi pia tunamwambia sisi tuna afya njema kabisa. Nous allons très bien. Tuko vizuri kabisa. Tout se passe normalement. Byote binafanyika kama kawaida. Seulement une seule chose. Kitu kimoja tu. Son absence nous manque. Kukoseka kwake hapa kuna il a fallu qu'il soit là même s'il s'est reposé. Ilibidi awe hapa hata kama alikuwa anapumzika. Mais néanmoins les choses font qu'il ne soit pas là. Et son retour nous fera du bien. Na kurudi kwake kutatufurahisha. Et nous croyons que Dieu va le ramener au milieu de nous. Tunaamini kama Mungu atamrudisha tena mkatikati yetu. En bonne santé avec force. Na afya njema na nguvu. Ce matin, c'est encore le pasteur Wesley Mutombo. Ya asubuhi tena ni pastori Wesley Mutombo qui nous parle. Mwenye de la part du Seigneur. Atatubiri kutokea kwa Bwana.
pour tous ceux qui étaient avec nous au courant de la semaine. Ils savent que nous avons été bénis le mercredi. Et le vendredi, l'avion a fait un taxi. Nous sentions tous que c'était vraiment un taxi et le moteur était en marche. On croit que ce matin on va décoller et on ne sait pas si on va atterrir. Nous laissons au Saint-Esprit de conduire les choses. Donc nous attendons à Dieu encore une fois ce matin avec son serviteur. Alors pour l'introduire, j'aimerais qu'on nous donne un bon chant de louange. Un bon chant de louange. Mwimbo mzuri. Je ne préfère pas qu'on chante doucement pour l'introduire parce qu'on a besoin de décoller. On sentait que c'était ça. Donc, on loue avec beaucoup de chaleur pour qu'il soit aussi dans l'atmosphère qu'il faut. Prière de nous donner un très bon chant. Prendre une bonne note. Seulement le bassiste nous fait défaut, on ne sait pas pourquoi. Nous pouvons nous mettre debout pour louer le Seigneur. Il pardonne à son nom.
asseoir d'abord. Nous disons merci à Dieu. Ton apikiat santi kwa Mungu. Lui qui nous donne encore l'occasion de nous retrouver dans sa maison. Yeye anatupatia tena bahati ya kuwa nyumbani mwake. Que Dieu bénisse la sœur qui a fait le kokondurile là. Mungu abariki yule dada na lalamika. Moi je suis, je vois les gens chanter, les autres assis. Inanigusaka sana wakati naona watu wengine wanaimba, wengine wanakaa. C'est comme si on ne comprend pas ce que Dieu a fait pour nous. Ni kama tuelewe kenye Mungu anafanya kwa njuu yetu. La louange c'est en reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Maabudu ni njuu ya kushukuru kenye Mungu anatufanyia. Et moi je crois qu'il y a la puissance dans la louange. Na mimi nadhani ya kwamba kuna uwezo ndani wa maabudu. Les murs de Jéricho furent tombés à cause de la louange. Ma ukuta ya Jéricho ikanguka kanju ya maabudu. Les malades peuvent être guéris seulement à cause de la louange. Wagonja wanaweza kuponeshwa kanju ya kuabudu tu. Nous chantons parce que Dieu nous a donné la vie. Tunaimba kwa sababu Dieu nous a protégé nos enfants. Dieu nous a bénis. Nous envoyons frère Branham, nous chantons pour ça. Tunaimba jo Mungu anatupatia uzima na chunga watoto wetu hata anatuma ndugu Branham tunaimba jo ile. Mais vous voyez les saints chantent, les autres sont assis. Moi je comprends seulement que les Philistins sont sur vous. Munaona wengine wanaimba wengine wanakikala nadhani ninawaza kama wa Filistini weko juu yenu. Ce n'est pas bien. Sio mzuri hilo. Faut entrer dans l'atmosphère quand les autres chantent, chantez aussi. Inabidi kuingia mazingira kama wengine wanaimba wewe pia imba. Amen. Amina. Nous vous disons merci d'être venu aussi ce matin. Tunampikia asante njoo kuja kwenu tena hii asubuhi. Aussi grand merci au révérend pasteur Eli. Tena asante kubwa kwa mheshimiwa pasteur Elia. Pour l'occasion qu'il nous donne pour parler à sa place. Tu as ibati kubwa anatupatia tuseme kwa fasi yake. On me demande de présenter mon épouse. Oui, je suis accompagné de mon épouse. Mashinikizwa na mke wangu anaweza kusimama bwima. On me demande ça. Wananiomba ile. Oui, elle est là derrière. Eko kule nyuma. Ok. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, donc, je vous prie de vous lever. Na misimu la muke. Nous allons lire notre texte du mercredi. Tutasoma andiko yetu ya mkazi tatu. Osée chapitre 6. Osée sura ya 6. Un seul verset, le verset 3. Nukta ya tatu tu. Mon nom c'est pasteur Wesley Mutombo. Jina yangu ni pastori Wesley Mutombo. Notre église est quand vous dépassez Moulendor à votre droite. Kanisa yetu iko wakati unapita Moulendor ku mkono yako ya ume. Niwe de gloire tabernacle. Ku niwe de gloire maskani. Et nous allons ajouter Matthieu 4. Na tutaongeza Mathayo 4. 15 et 16. Kumbina tano paka kumina sita. Engino d'abord notre tête. Kwanza de prière. Tu ina mishe bicho anjua maombi. Mchena ne mukwabo mosungidi Yesu wa njinji njifila kudi Mwanako tatu ne make ya babu loba Adye na makotuba ishe zami Wimo songidi iyako Ondambala mojila Jila webi wa moyo Yesu kundi kidito Ofo mungu atadito la kuchamu
Notre roi, c'est toi le bon berger, c'est toi la grande sentinelle, tu es notre roi, tu es notre Dieu. Nous bénissons grandement ton nom ce matin, toi qui nous as donné le souffle de vie alors que nous étions endormis comme des morts. Tu nous as réveillés ce matin. Nous avons entendu les oiseaux du ciel chanter pour ta gloire. Nous avons entendu des grandes eaux et des vents qui soufflent en ton honneur. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, l'homme que tu as créé à ton image? Oh Dieu, nous ne pouvons que te dire grandement merci. Nous ne pouvons que t'acclamer, Seigneur. Nous ne pouvons que t'élever, nous ne pouvons t'exalter. Toi le grand médecin, toi l'omnipotent, toi l'omniprésent, toi le compatissant. Oh Dieu, combien sont morts ce matin, combien sont dans des conditions inhumaines. Mais ce matin, tu nous as gardé en vie, tu nous as gardé en bonne santé, sans argent, ni rien payer, Seigneur. Tout cela, ce n'est que ta grâce. Oh Dieu, nous croyons au Père éternel. Si tu nous as gardés jusqu'à ce matin, tu as encore un travail à faire avec chacun de nous. Seigneur Jésus, tu as conduit nos pas vers ta maison. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes venus pour communier avec toi autour de ta parole. Nos âmes ont soif. Nos âmes ont besoin de manger. Nous voulons, Seigneur, que tu descendes ce matin. Brise l'épée de ta parole. Ouvre les yeux de chacun. Que chacun puisse te voir. Que chacun puisse te connaître. Que chacun puisse te sentir, oh Dieu. Parle-nous, Seigneur, et que ta présence soit une réalité. Oh Dieu, j'ai pris ce matin pour celui qui est venu malade, en écoutant cet évangile, qu'il soit totalement guéri. Les pécheurs qui sont dans la salle, qu'ils soient sauvés. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, accorde le Saint-Esprit, Père. Oh Seigneur Jésus, nous nous consacrons à toi. Nous consacrons tout le monde de toi. Entre tes mains saintes, domine ces lieux. Viens Seigneur, donne-nous le contexte des écritures que nous allons lire. Viens commencer avec nous. Oui, nous d'une manière spéciale pour que nous soyons une bénédiction pour ton peuple. Bénis notre interprète ainsi que tout le monde. Bénis Pasteur Élie là où il est, Seigneur. Reconstitue-lui, oh Dieu, car il est écrit, ceux qui s'attendent à l'Éternel, il renouvelle leur force.
Ils vont marcher sans se fatiguer. Ils vont courir sans se lasser. Ils vont prendre de l'envol comme de l'aigle. Oh Dieu, qu'ils prennent un nouveau envol au nom de Jésus-Christ. Bénis sa chère épouse, ses enfants. Bénis les huissiers, bénis les administrateurs. Bénis les codes du manche. Bénis les musiciens. Bénis Israël Tabernacle. Alors que nous nous recommandons à toi pour ta propre gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amina. Nous lisons. Tout à somme. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Tout à faute n'a toujours eu à milieu. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Kuja kwake kuna kwa uhakika kama vile asubuhi. Il viendra pour nous comme la pluie. Atakujaka kwetu kama mvua. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Kama ile mvula ya printemps yenye na mwangika pa udongo. Matthieu chapitre 4. Matayo sura ya 4. Versets 15 et 16. Mustari wa 15 mpaka 16. La Bible dit. Biblia inasema. Les peuples de Zabulon et de Nephtali. Taifa ya Zabulon na Nephtali. De la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain. Ya inchi geni na wale kwenda paka inje ya Yordani. Et de la Galilée des gentils. Na ku Galilea wa ku mataifa. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ile taifa yenye kuikala mungiza iliona nuru kubwa. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort. Na juu ya bali balikuwa bashakala mu ile mahali na kimvuri ya lufu. La lumière s'est levée. Nuru ikabalamukia. Vous pouvez vous asseoir. Munezi kuikala. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno wake. Je prie Dieu que je ne prêche pas longtemps ce matin. Naomba Mungu nisihubiri muda mrefu ya asubuhi. C'est depuis le vendredi que nous avons commencé ce sujet. Ni kuanzia mkazi tano ndo tulianza hiki kishina. Le passé m'avait demandé de prêcher des semaines, mais je lui avais dit, je prêche d'abord cette semaine, j'arrête, parce que je dois encore aller prêcher à Fungurume. Pastor aliniambia ni ubiri mawiki mbiri, lakini kamwambia na ubiri kwanza hii wiki moja kwa sababu napasha kwenda kubiri kufungurume. Ya une église qui va poser une pierre angulaire pour la construction. Nous sommes aussi invités là-bas. Kutakuwa kanisa itachitongo juu ya majengo kule. C'est à mon retour que je reviendrai pour terminer ma deuxième semaine. Nimkurudi kwangu ndio tutakuwa kumaliza wiki yangu ya pili. Si on termine pas ça, on peut-être on reviendra sur ça. Kama tumalize saa zingine tutarudi aka juu hii. Mais toutefois, on s'attend à la conduite du Seigneur. Lakini juu ya yote tunasubiri tu mwongozi wa Bwana. Alors nous avons intitulé notre sujet les mystères du printemps. Hivi tuliita kishina yetu ile siri ya printemps. Le vendredi nous avons situé cette saison de l'année. Na mwijuma tukatia vizuri ile majira ya mwaka. Si vous avez bien remarqué, le printemps c'est une saison qui arrive en deuxième position dans l'année. Kama mnatazama au cours de l'année. Mzuri printemps inakuya mfasi ya pili mu mwaka. Il vient après l'hiver. Inakuya kisha hiver. L'hiver c'est une saison qui est caractérisée par le froid. Hiver inamaanisha kupitia ile baridi. Donc c'est une période où il y a beaucoup de froid. Ni kipindi ambao kina baridi mingi. Et Frère Branham nous a dit mercredi que l'hiver c'est la crucifixion. Na ndugu Branham akatuambia mwijumaa ya kwamba ile hiver ni kusulubishwa. Il dit que l'hiver c'est la mort. Anasema hiver ni kufa. Alors nous avons dit l'hiver commence à partir du mois de décembre. Na tukaona ya kwamba hiver inaanza kwanza kumwezi wa 12. Ce sont des choses des fois que chez nous ici on ne connaît pas parce que chez nous
On parle toujours des deux saisons. Nibitu ambao huku kwetu atufahamu kwa sababu huku tuna majira mbili tu. Chez nous on parle de la saison sèche et de la saison de pluie. Huku kwetu tunasema wakati wa kipwa na wakati wa mvula. Mais en réalité chaque année comprend quatre saisons. Lakini kwa ukweli mwaka yote inakuwa na majira nne. Il y a l'hiver. Kuna hiver. Il y a le printemps. Huku printemps. Il y a l'été. Huku été. Et il y a aussi l'automne. Na huku tena automne. Et on dit que l'hiver commence entre le 21 et le 22 du mois de décembre. Wanasema ile hiver inaanza msiku ya 21 ama siku ya 22 ya mwezi ya 12. Et il va terminer entre le 21 et le 22 du mois de mars. Na inaenda kumalizika msiku ya 21 ama 22 ya mwezi wa 3. Après l'hiver, il vient le printemps. Kisha hiver kunafuata printemps. Et le printemps commence à partir du 22 mars. Na ile printemps inaanza kuanzia msiku ya 22 ya mwezi wa 3. Il va aller jusqu'à le 22 juin. Na itaenda paka msiku ya 22 ya mwezi wa 6. Alors quand je lisais un peu sur ces choses, wakati nilikuwa nasema juu ya hii bitu, j'ai trouvé que les météorologues, les gens qui connaissent bien ces saisons, nikakuta kwamba wale wenye kujifunza vizuri majira, ils ne font pas beaucoup de commentaires sur l'hiver. Abafanya misemo mingi juu ya hiver. J'ai compris que c'est il y a quelque chose de spécial. Nikaelewa ya kwamba kuna kitu kimoja cha kipekee. Ils ne font pas beaucoup de commentaires sur l'été. Abaseme mambo mingi juu ya été. Ils ne font pas beaucoup de commentaires sur l'automne. Hata mambo mingi juu ya ile automne. Mais quand ils arrivent à cette saison, le printemps, alakini bakifike pa ile majira ya printemps, on dit que le printemps c'est vraiment une meilleure de toutes ces saisons. Banasema ile printemps inakuwa ni wakati mzuri ya ile majira yote. Il est caractérisé par beaucoup d'événements. Inaoneshwa kwa mambo mengi. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le printemps. Kuku bitu bingi byenye binafasika mu wakati wa printemps. Oh, je lis, on dit que le printemps, banasema ile printemps, c'est le moment de radoucissement du temps. Ni wakati ya kupolesha kwa wakati. Tout devient beau pendant le printemps. Byote binakuwa vizuri mu wakati wa printemps. C'est le moment où les neiges s'effondrent. Ni wakati ya nyama teluji inasungurika. C'est le moment où il n'y a plus de neige. Ni wakati ambao teluji hakuna tena. Le moment où tout devient clair. Ni wakati ya nyama byote binakuwa ni safi. La vision est claire. Hata uone inakuwa ni sawa. On peut regarder. Unaweza kuangalia. On peut bien voir les choses. Unaweza kuona vitu vizuri. C'est le temps où il n'y a pas de confusion. Ni wakati ambao hakuna mfuruko. Amen. Amina. Ça c'est le printemps. Il est le printemps. On dit que le printemps, wanasema printemps, c'est le moment de bourgeonnement des arbres. Ni wakati wa kuota kwa miti. C'est la floraison des plantes. Ni wakati miti natosha maua. C'est le temps du réveil des animaux. Ni ile wakati amsho ya wanyama. Et c'est le retour des animaux migrants. Na kurudi kwa nyama yenye ilienda mbali. On dit que le printemps, wanasema ile printemps, oh, c'est le moment de la restauration. Ni wakati wa kurudishwa jipya. Pas seulement la restauration, sio paka kurudishwa jipya, une nouvelle forme. Yenye kila kitu kinapaswa kuvala umbo mpya. Amen. Amina. Alors, frère Manamati, Dukurama sema, on peut voir Dieu dans la nature. Tunaweza kuona Mungu mwasili. On peut le connaître dans la nature. Tunaweza kumfahamu katika asili. Il dit, regardez dans la nature. Anasema angalieni mwasili. Il y a des arbres. Kuna miti. Il dit que l'arbre, quand il arrive à l'hiver, anasema mti wakati nafika ku hiver, l'arbre perd ses feuilles. Ile muti napotesha hata majani yao. Les feuilles tombent de l'arbre. Ile mayani naanguka. Fumaji. Dukubana sema. Ses feuilles tombent pendant l'hiver. Ile mayani naanguka mwakati wa hiver. Mais regardez. Sasa mtazame. Quand les feuilles tombent de l'arbre pendant l'hiver. Wakati ile mayani naanguka kumuti mwakati wa hiver. Mon prophète dit, il ne tombe pas loin de l'arbre. Nabi wangu anasema ayangukake mbali na muti.
Les feuilles tombent toujours tout autour de l'arbre. Mayani nanguka tukando kando ya muti. Branham dit, ils arrosent la terre tout autour de l'arbre. Branham anasema banatia mboleo kando kando ya muti. Et la vie qui était dans le feuille, Branham a dit, il rentre dans les racines. Branham a dit, il n'a rudi ata mumizizi. Il dit que ça, c'est le type d'un véritable croyant. Branham a dit, un véritable croyant. Branham a dit, mwaminifu wa kweli. Né de nouveau. Mwenye kuzaliwa jipya. Rempli du Saint-Esprit. Mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Il meurt toujours en Christ. Anakufaka paka ndani ya Kristo. Amen. Amina. Sa vie, uzima yake, rentre au Créateur. Inarudi paka kwa Muumbaji. Elle est toujours en Christ. Iko paka ndani ya Kristo. Mais bien qu'il meure, hata vile anakufa, Branham dit que ce n'est pas terminé. Branham anasema kumalizike. Sa vie n'est pas terminée. Maisha yake haishe pale. Dire que le fait de l'arbre qui tombe, qui dont la vie rentre dans les racines, cela ne veut pas. Kumaanisha kwamba mti naisha. Mama dit, il y a une belle saison. Branham anasema kuna majira mzuri. Oh, je vous dispense la lecture. Na mitosha kusoma. Vous pouvez lire cela dans écoutez-le. Munaweza kusoma mumusikieni. Écoutez-le prêcher le 9 février 1958. Yenye kubiriwa mwamsini na nane. Il dit, pendant l'hiver, cet arbre meurt. Anasema wakati wa hiver ile muti nakufa. Mais quand le printemps arrive, lakini wakati printemps inakuja, on voit l'arbre qui avait perdu les feuilles. Tunaona ile muti ilipoteza majani. Les feuilles commencent à revenir. Ile majani inaanza kurudia. C'est pourquoi frère Branham dit. Donc maintenant nous prenons ensemble. Le printemps. Ile printemps. C'est la saison de la vie. Ni wakati ya uzima. Ça c'est dans le naturel. Il est mouasili. Le printemps. Printemps. C'est la saison du retour de la vie. Ni majira ya kurudi kwa uzima. Et j'aimerais que quand on parle dans le naturel du printemps, dans le spirituel aussi, il y a des mêmes événements qui arrivent. Napenda. C'est que Dieu traite toujours conformément à la nature. Napenda wakati tunasema mukiasili hata mukiroho kuna mambo inafika. Mungu anatumika paka na asili. C'est pendant le printemps. Ni wakati wa printemps que Noé est entré dans l'arche. Ndo Noé aliingia mu merkebu. Il est entré le 17 mai. Aliingia mu ile tarehe. Pendant le printemps. Ilikuwa ni wakati wa printemps. Et nous sommes autant semblables à celui de Noé. Na tuku wakati ya kufanana na ile ya Noé. C'est pendant le printemps. Ni wakati wa printemps que Marie. Jo Maria a reçu la visitation de Gabriel. Alipokea kutembelewa kwa Gabriel. Gabriel est venu vers Marie vers le printemps. Gabriel alikuja kwa Maria mu printemps. La Bible dit c'était au sixième mois. Biblia inasema ilikuwa ni mwezi wa sita. Aujourd'hui c'est dimanche, on peut lire cela. Leo ni yenga tunaweza kusoma. Lisons dans Luc chapitre 1er. Tusome mu Luka sura ya kwanza. Verset 26. Mu 26. La Bible dit. Biblia inasema. Au sixième mois. Ku mwezi wa sita. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Malaika wa milele akatumiwa kwa Mungu mu ile muji. Appelé Nazareth. Yenye kuitwa Nazareth. Au sixième mois. Ku mwezi wa sita. C'est que ici. Manake hapa. On peut mettre KO les catholiques. Tunaweza kuangusha ba katoliki. Qui disent que Jésus est né le 25 décembre. Benye bana tuambia Yesu anazalikwa muusiku. Être un agneau. Asipashe kwa mwanakondoo. Parce que les agneaux ne naissent pas pendant l'hiver. Kwa sababu mwanakondoo asizalikwe asizalikake mu wakati ya hiver. Regardez ici que le message pour la venue du Messie vient au printemps. Mwangalie ujumbe ndio kuja kwa Masia inakuja mu printemps. Mais le moment de l'accomplissement. Lakini wakati wa kutimizika. L'accomplissement vient toujours au printemps. Lakini kutimizika kunakuja kila wakati mu printemps. C'est qu'il y a quelque chose de spécial au printemps. Manake kuna kitu cha kipekee mu printemps. Là je viens au mois de juin. Malaika anakuwa ku mwezi wa sita. Et la promesse s'accomplit en avril, début avril. Na malako natimizika mwanzo wa mwezi wa 4. Comme étant
L'agneau, il devait naître en avril. Oh, est-ce que vous me suivez très bien? Vous me dites, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui se passent pendant le printemps. Et pendant ces événements, je prends un, c'est seulement la naissance de Christ. Écoutez d'abord ce que Frère Branham dit. Avant que je lise la naissance de Christ. Dans la prédication, Dieu tient sa parole. Du 7 avril 1957, j'avais lu ça vendredi. Frère Branham dit ceci, au paradis. Suivez ça très bien. Il dit, je trouve que le printemps, c'est vraiment une très belle période. C'est vraiment une belle période. C'est une période où tout se met à revêtir une forme nouvelle. Ni wakati ambao biote binaanza kuvaa umbo mpya. Une vie nouvelle. Uzima yenye kwa mpya. Le printemps nous rappelle la résurrection. Printemps inatukumbusha kufufuka. Il dit que Pâques arrive vraiment au moment qu'il faut. Anasema inafika kabisa wakati yenye nafai. Au printemps. Mu printemps. Nous remarquons que la parole de Dieu est toujours en harmonie parfaite avec la nature. Vous voyez? Donc l'harmonie est toujours en harmonie parfaite avec la nature. Dans le naturel, il fait de grandes choses au printemps. Et dans le naturel, il fait aussi de grands événements. Ce sont des grands mystères qu'il a voulu nous révéler aujourd'hui. Amen. Amina. Alors comme je le disais, la promesse a été donnée au printemps. Et la promesse s'accomplit toujours au printemps. Malako na timizika tena mu printemps. Christ. Christou. Qui naît au printemps. Anazariko mu printemps. Entre fin mars. Mwisho ya mwezi wa tatu. Et début avril. Na mwanzo wa mwezi wa ine. C'est là qu'il est né. Ndio pale bananjika. Suivez d'abord ce que Frère Branham dit. Fateni kwanza kile ndugu Branham anasema. La voix de Dieu en ces derniers jours. Watoto wa Mungu muhimu siku ya mwisho. La voix de Dieu. Sauti ya Mungu muhimu siku ya mwisho. Du 20 janvier 1963. Ya musitini na tatu. Bamba di la Noël. Branham anasema Noeli. Kristo. Kristu. N'était pas né le 25 décembre. Asikuzariko musiku ya 25 ya mwezi wa 12. Et dit que pas plus que moi. Asema aina tena tavimie. Je ne suis né le 25 décembre. Sikuzariko mu ile tarehe. Eh bien, Muzuri. Les collines de la Judée sont couvertes de neige. Milima ya Judée inafungiwa na teluji mu wakati ya mwezi wa 12. S'il serait né en décembre. Kama alizaliwa mwezi wa 12. Mama dit, cela serait en contradiction avec toutes les autres prophéties de la Bible. Branham anasema ile haikupaswa kupatana na unabii wote wa Biblia. Christ est né au printemps. Kristo alizaliwa mu printemps. Comme tous les agneaux. Kama vile wanakondo wote. En avril. Mu mwezi wa ine. Au printemps. Mu printemps. Les mois où naissent les agneaux. Mwezi wenye banakondo banazalikwaka. Les mois où les rois naissent. Ni mwezi wenye wafalme wanazalikwaka. Christ. Kristu. Est né au printemps. Alizalikwa mu printemps. Christ. Kristu. La vie éternelle. Uzima wa milele. Le salut de l'humanité. Ile wokovu ya ulimwengu. Est venu au printemps. Alikuya ku printemps. C'est une belle saison. Il est wakati mzuri. Il était un agneau. Branham anasema alikuwa mwana kondoo. Il était né au printemps comme tous les agneaux. Alizaliwa mu printemps kama wana kondoo. Pourquoi était-il né dans une étable plutôt que dans une maison? Anasema kwa nini alizaliwa mkale ka kitanda kadogo pale. Il était un agneau. Alikuwa mwana kondoo. Pourquoi ne l'a-t-on pas tout simplement poussé aller à l'hôtel
ou plutôt à son hôtel. Anasema kwa nini bakumsukuma aende kuibada yake? Là où il fait clouer à la croix. Kwenye alipikiwa misumari. Il a été conduit à la croix. Alisukumwa aende kumsalaba. Les brebis sont conduits à l'abattoir. Wanakondoo wanaendaka kwenye kwa kuachia. Il était un agneau. Alikuwa mwanakondoo. Il était né au temps où naissent les agneaux. Alizaliko mwakati yenye wanakondoo wanazalikwaka. Amen. Amina. C'est là qu'il était né. Njo pala alizalikwaka. Alors quand il était né, wakati alizalikwa, qu'est-ce qui est arrivé? Ni nini lifanyika? Ils ont toujours la Bible. Tusome kwanza paka Biblia. Prenons Luc chapitre 2. Tusome Luka sura ya pili. Verset 8. Mstari wa 8. Je vais lire en descendant. Tasoma mkushuka. Tout ceci se passe au printemps. Hii yote nafanyika mprintemps. Oh, je me sens très merveilleux. Najisikia vizuri kabisa. Verset 8. Mstari wa 8. Écoutez, ici c'est lors de sa naissance. Sikieni hapa ni kuzalikwa kwake. La Bible dit? Biblia inasema. Il y avait dans cette même contrée. Asema kulikuwa muile inchi moja moja. Des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Wachunga kondoo walikuwa wanapita mshamba kulamuka asubuhi ya kuchunga wakondoo wao. Et voici. Naoneni. Un ange du Seigneur leur est apparu. Malaika wa Bwana kabaonekanikia. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Na utukufu wa Mungu ikawaka juu yao. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Na wakashikwa na boka kubwa. Mais alakini l'ange leur dit. Malaika kawaambia, ne craignez point. Musiogope. Car kwa sababu je vous annonce une bonne nouvelle. Na mitangazia habari mzuri. Sera pour tous les peuples. Itakuwa juu ya taifa yote. Le sujet d'une grande joie. Mambo ya furaha kubwa. C'était quelle nouvelle? Ilikuwa ni habari kani? C'est qu'aujourd'hui, manake leo, dans la ville de David, muichi ya Daudi, il nous est né un sauveur. Bana tuzaria mokonzi. C'est ça la bonne nouvelle. Ile ndio habari mzuri. Dans la ville de David, muile muji ya Daudi, il nous est né un sauveur. Bana tuzaria mokonzi. On ne met pas point. Abatie nukta. Virgule. Bana kata. Qui est le Christ? Mwenye ni Kristu. Le Seigneur. Mokonzi. Celui qui était né ule alizalikwa au printemps. Au printemps c'était Christ. Alikuwa ni Kristu. Le sauveur. Mokonzi. Le Seigneur. Na Bwana. Alors basi comme le Seigneur était né vile Bwana alizalikwa, il devrait y avoir des histoires. Ilipaswa kuwa mambo à propos de cette naissance. Kufuatana na kule kuzalikwa. Qu'est-ce qui est arrivé? Nini ilifika? Et voici. Naoneni. À quel signe vous les reconnaîtrez? Ni alama kani mutamutambua. Vous trouverez un enfant à mayoté. Mutakuta mutoto mwenye kuzingiriwa. Coché dans une crèche. Mwenye kulala mkakitanda kadogo. Verset 13. Mustari wa 13. Et soudain. Na kwa ghafla. Il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Baka ungana kwa malaika ile kunji kubwa ya wajeshi wa kumbingu. Une chorale se formait. Ile koa ikajitunga. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Bakaanza kufanya nini? Ils ont commencé à louer. Bakaanza kutukuza. Disant. Mukusema. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Dans les lieux très hauts. Mumali ya juu. Paix sur la terre. Amani pa udongo. Parmi les hommes qu'il a créés. Kati ya watu wenye anakubali. C'est que au printemps, manake ku printemps, il y a eu une grande chorale. Kukakuwa koa mkubwa. Qui a chanté. Yenye ilimba. À la gloire du Seigneur. Kwa utukufu ya Bwana. Célébrant la vie qui venait d'arriver au printemps. Inasherekea ile uzima ilikuwa nafika wakati wa printemps. Oh mes frères et sœurs. Oh banduku yangu na badala. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. C'était le premier Noël qui fit chanter. Ilikuwa ni Noël ya kwanza yenye iliimbwa. Et moi je crois. Na mimi naamini. Quand tu as le premier Noël. Kama kuko Noël ya kwanza. Il y a aussi le deuxième. Kuko pia ya pili. C'est ce que moi je crois. Ndo ile mimi naamini. Frère Branham appelle ça le premier Noël. Ndugu Branham anaita ile Noël ya kwanza. Je peux lire cela. Tasoma ile. Dans la prédication. Mumahubiri. Pourquoi la petite Bethlehem? Kwa nini Bethlehem kidogo? Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Au paragraphe 83. Mu 83. Cela fut bien représenté en Jésus. Ile kaonesha mzuri ndani ya Yesu. Le bien-aimé. Mupendwa.
Il dit des années plus tard. Anasema miaka kupita. Ce fils de David qui devait venir accomplir toutes ces choses. Ule mwana wa Daudi alipasha kuya kutimiza vitu vyote. Qui avait été promis. Yenye ilakiwa. Cette petite ville de Bethléem. Est l'endroit où ces choses se sont passées. C'est sur ces mêmes petites collines de Judée où David faisait paître ses brebis. Bien des années plus tard, que les anges ont chanté leur premier Noël. Ndio wa malaika walimba Noël yao ya kwanza. Ah, je peux continuer? Nawezi kuendelea. Les anges wa malaika ont chanté waliimba leur premier Noël. Noël yao ya kwanza. C'était pendant quelle saison? Ilikuwa ni majira kani? Au printemps. Ilikuwa ni ku printemps. Ils ont chanté leur premier Noël. Wakaimba Noël yao ya kwanza. Sur ces collines de Judée. Pa ile milima ya Yude. Qui surplombait. Yenye ilikuwa juu. Qui surplombe. Yenye ilikuwa juu ya Bethlehem. Bethlehem. La première Noël. Noël ya kwanza. Ne bien cela. La première. Ile, ya kwanza. S'il n'y a pas la deuxième, on ne va pas l'appeler la première. Kama kuna ya pili, atuta ita ya kwanza hii. Quand il y a un, kama kuna moja, il y a aussi deux. Kuna pia mbili. Il y a premier testament, kuna agano la kwanza, il y a aussi deuxième. Na pia kuna ya pili. Il dit, ça c'est la première Noël. Anasema hili njo Noël ya kwanza. Qui fut chanté. Yenye ili imbwa. Au printemps. Kule ku printemps. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tout pamoja. Et comme j'ai fait la course au temps. Na vile na kimbizana na saa. Voyez que la chorale des anges. Munaona kwamba ile koa ya wa malaika. A chanté seulement au printemps. Iliimba paka ku printemps. Pas pendant l'hiver. Sio mwakati wa hiver. Et il y a un autre événement qui fit arriver. Kuku tena mambo ingine lifanshika. Il y a eu un grand signe au ciel. Kukakuwa alama kubwa kumbingu. Les trois étoiles. Ile manyota tatu. Se sont croisées. Ikakusanika pamoja. Ils ne pouvaient pas se croiser pendant l'hiver. Hawakuwezi kukutana wakati wa hiver. Les trois étoiles se croisèrent au printemps. Ile manyota tatu ikakutana wakati wa printemps. Na les mages qui étaient enseignés sur ces choses. Na wale wa majusi walijifunza juu ya bile bitu. Ils ont vu les trois étoiles qui se croisent. Wakaona ile nyota tatu kukutana. Ils ont compris que ça c'est un langage. Bakaelewa ya kwamba ile ni msemo fulani. Ça ile c'est un langage. Ni msemo. C'est que Dieu veut nous annoncer que quelque chose est sur la terre. Manake Mungu anapenda kututangazia kwamba kitu fulani kikupa udongo. Fwebwana maji? Dukupana anasema. Oh, dans la prédication le signe de la semence du temps de la fin. Mumaubiri alama ya wakati ya mwisho. Il dit maintenant. Anasema sasa. Juste encore une chose. Tu kitu kimoja. Écoutez attentivement maintenant. Sikieni muteke angalisho hii sasa. Ne manquez pas de voir ces choses maintenant. Musikose kona ibibitu sasa. Avant la première venue de Jésus. Mbele ya kuja kwa kwanza kwa Yesu. Les astronomes de l'Inde. Wale wa majusi wa kuinja. Il dit j'ai œuvré comme missionnaire en Inde. Anasema nitumika kama mpashabari kule kuinja. J'ai parlé de ceci avec des mages. Nilisema na hivi na majusi. Et ils observaient. Na walikuwa wanatazama. Ils étaient des astronautes. Walikuwa wa majusi. Ils observaient le corps céleste. Walikuwa wanaangalia mwili wa kumbingu. Et ils disaient que Dieu s'annonce toujours par le corps céleste. Wanasema Mungu anajitangazaka paka kupitia mwili wa kumbingu. Avant de le faire sur la terre. Kabla ya kuyafanya pa udongo. Avant de faire quoi que ce soit. Kabla ya kufanya yoyote. Dieu s'annonce d'abord au ciel. Mungu anajitangaza kwanza kumbingu. C'est ainsi qu'ils ont vu ces trois étoiles. Ndio vile waliona ile manyota tatu. Wanasema pana. Ces étoiles qui se croisent à cette période. Imanyote nakutana mwiki pindi. C'est un langage.
Comme cette saison, c'est la saison de la vie. Kama hivi kipindi ni kia uzima. C'est qu'un événement important est arrivé sur la terre. Manake mambo ya muhimu inafika pa udongo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Walifanya nini? Ils ont commencé à suivre l'étoile. Wakaanza kufuatilia manyota. Ils suivaient quoi? Walikuwa wanafuata nini? Pour que l'étoile aille leur pointer. Jua ile manyota ikabaoneshe. Là où l'événement venait de ça. Kwenye mambo ilikuwa inafanyika. Famadi. Tukubana sema. L'opprobre à cause de la parole. Aibu kuhusu neno. Il dit c'est exactement à ce moment-là que cette conjonction et la constellation de ces étoiles se sont montrées. Anasema ni muile wakati njo muungano wa ile manyota ikaonekanika. Qu'elles se sont montrées en plein sur Babylone. Walionyeshwa kabisa juu ya Babiloni. Les mages l'ont noté. Majusi wakaandika. Bama dit, souvenez-vous. Dukubana anasema kumbukeni. Leur orbite s'était croisée. Orbite yao ilikutana. Puis de nouveau éloigné à des milliards d'années-lumière de distance. Kisha ikaachana munuru burefu. Bama dit que ces mages, les juifs. Anasema wale wa majusi wa Yuda. Qui étaient à Babylone. Walikuwa kule kwa Babylone. On vit cette conjonction devenir une constellation. Wakaona ile muungano kuya ile uhusiano. Ces étoiles. Ile manyota. Les trois sont rassemblés et ont formé la seule étoile du matin. Yote kakusanika na kutunga ile nyota moya ya asubuhi. Alors ils ont su. Na pale bakajua. Par la parole de Dieu. Kupitia neno la Mungu. C'était le moment. Ya kwamba ilikuwa ni wakati. Quand ces étoiles se sont rassemblées. Wakati ile manyota kakusanika. C'est le moment où le Messie devait être sur terre. Ni wakati ambao Messie alipaswa kwa pa udongo. Voilà ce qu'ils ont compris. Jo ile balielewa. Quand les étoiles se croisent. Wakati ile manyota na kusanyika. Pendant cette période. Mukile ki wakati. Les mages ont su. Wa majusi wakajua. Que c'était ici. Ya kwamba ilikuwa ni pale. C'est un Messie qui doit être sur la terre. Ni Messie anapaswa kwa pa udongo. Ça c'était langage. Ile ni misemo. Qui prouve réellement. Inahakikisha kweli. Que la terre vient d'être visitée. Ya kwamba wanatembelea udongo. C'est pour cette raison qu'ils se sont mis à demander. Ndinjua ile sababu ndio walianza kuuliza. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mfalme wa Yuda mwenye anatoka kuzaliko iko wapi? Où est-il? Iko wapi? Il est quelque part. Iko fasi fulani. Car. Kwa sababu. Lorsque ces étoiles se défient n'étaient pas la France. Quand leur corps céleste forme un seul grand corps céleste. Quand ces trois étoiles se réunissent. Les Messie doit être sur terre. Messie anapaswa kuwa pa udongo. Quand ces orbites. Wakati le manyota. Ces étoiles. Ile manyota. Se croise. Inakusanika. Le Messie doit être sur la terre. Messie anapaswa kuwa pa udongo. Et faut me dire. Dukubana sema. Et quand ce Messie est venu. Na wakati Messie alikuja. Et comme les trois étoiles se sont croisées. Vile le manyota tatu likusanika. Et qu'il y avait trois mages. Na kulikuwa majusi tatu. Faut me dire. Remarquez que cela représentait les trois races qui sont sur la terre. Et comme le Messie était venu, na vile Messie alikuja, Jésus-Christ, Yesu Kristu, il devait traiter avec chaque nation. Branham anasema alipaswa kutumika na nchi yote. Il devait rencontrer chaque enfant de Noé. Alipaswa kutana na mtoto yote wa Noé. Il devait rencontrer le peuple de Cam. Kupatana na taifa ya Cam. De Sem. Ya Sem. Et de Japheth. Na Japheth. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tu pamoja. Et? Na. Devant chaque peuple. Mbele ya taifa yote. Il devait prouver. Alipaswa kuhakikisha. Il devait prouver. Alipaswa kuhakikisha. C'est moi le promis. Mimi ndio wenye barilaka. Frère. Nduku. Il ne traite pas par intermédiaire. Asitumikake kupitia mtu mwingine. Devant tous les trois fils ici. Mbele ya wale watoto wote wa Yuda. C'est Jésus lui-même. Ni Yesu mwenyewe.
Ce n'est pas par l'intermédiaire. Aina kupitia mtu mwingine. Amen. Amina. Il le fait par lui-même. Anaifanya kupitia yeye mwenyewe. Pour prouver que c'est moi le promis. Ndio kuonesha kwamba mimi ndio mwenye barilaka. C'est moi le Messie. Ni mimi ndio Masia. La vie uzima qui est venu au printemps. Yenye likuwa mu printemps. Et regardez chez les Juifs. Mutazame kwa Wayuda. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Pierre? Petro? Plutôt Philippe? Philippe. Il croit? Anaamini. Il se rappelle que j'ai un ami. Anakumbuka kama niko na rafiki. Mon ami là, c'est mon ami intime. Rafiki yangu ni wa ndani kabisa. Faut que j'aille le voir. Na passion kamoni. Il rencontre son ami. Anaenda kukutana na rafiki yake. Nathanael. Nathanael. Il dit à Nathanael. Anamwambia Nathanael. Nous avons trouvé. Tunapata. Celui dont les prophètes ont parlé. Mwenye wa nabii walisemaka. Jésus Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Mais à la fin il dit. Kumwisho anasema. Fils de Joseph. Mutoto wa Yosefu. Nathanael akamwangalia. Il dit peut-il venir quelque chose de bon? Anasema kunaweza kutoka kitu kizuri. Il lui a donné une belle réponse. Alimupatia jibu mzuri. Il lui dit. Anamwambia. Mon ami. Rafiki yangu. Viens. Kuja. Et voir. Naone. Allons-y. Nathanael akamwambia twende basi. Je ne peux pas refuser ce match. Jésus kukatala. Bakaenda. Ils arrivent. Banafika. Philippe n'avait pas parlé de Jésus. Philippe asikuseme mambo ya Yesu kwa Nathanael. Jésus le regarde. Yesu akamwangalia. Il dit voici un Israélite. Anasema oneni muisraeliti. En qui il n'y a point de fraude. Mwenye hauna mwizi. Nathanael regarde. Nathanael akaangalia. Rabbi. Anasema mkubwa. Tu m'as-tu connu? Wewe unanifahamu kutokea wapi? Il dit. Anasema avant que Philippe t'appelle. Kabla Philippe akuite. Moi je te vois. Mimi ndiko nakuona. Son langage a été toujours le présent. Donc Branham anasema misemo yako ni kalaka paka ya sasa. Il connaît toutes choses. Anajua kitu kyote. Même ce matin. Hata ya asubuhi. Ta situation. Mambo yako. Il connaît cela. Anaijua. Et il est le Dieu. Na ni Mungu. Qui pourvoit toujours au moment opportun. Mwenye anatayarisha kila wakati yenye nafai. Si tu crois ce matin. Kama unaamini asubuhi. Parce qu'il est le même Jésus. Sababu ni Yesu moja moja. Il peut te guérir. Anaweza kuponyesha. Il peut changer ta situation. Anaweza kubadilisha mambo yako. Il dit avant que Philippe t'appelle. Anasema mbele Philippe akuite. Je te vois. Ndikuwa nakuona. Nathanael dit. Nathanael akasema. Ah. Tu es le Christ. Wewe ndio Kristo. Le fils de Dieu vivant. Mtoto wa Mungu mzima. C'est pourquoi la révélation ne vient pas d'une manière collective. Jo kwa maana ufunuo haikuyake mbwingi. La révélation est toujours individuelle. Ufunuo inakalaka binafsi. Et moi j'ai appris une chose, quand vous ne maîtrisez pas encore une chose, n'appelez pas cela une fausse doctrine. Nami nimejifunza kitu kimoja, kama hujashika vizuri kitu, usite ya kwamba ni mafundisho mbaya. Ne soyez pas rapide de traiter quelqu'un de l'idolâtre, de faire ceci, de faire aller lentement. Usikuwa haraka ya kwamba huyu ni mwabudu sanamu, kwa kuseme kina hiki wende na utaratibu. Il y a des choses que nous avons refusées catégoriquement en 1990. Kuko bitu byenye tulikatala kabisa mu 1990. Et quand on les refusait là, parce qu'on était fanatique de quelqu'un. Kwa sababu tulikuwa bapendelevu wa mtu fulani.
Moi je ne crois pas ça. Mimi Samini. Notre évangéliste. Mwinjiliste. Ou notre pasteur. Pastor wetu. Vous voyez un peu ça. Munaona bile. On part petit à petit. Tunaenda na utaratibu. Aujourd'hui les chansons de sœur Sarah sont écoutées partout. Leo mimbo ya dada Sarah banaisikia fasi yote. Mais combien on a rejeté ces chansons? Wingi kani ya batu balikatala ile. Ici il n'y a pas le problème que moi je suis ancien. Puisque Philippe était aussi ancien par rapport à Nathanaël. Hapa kuna mambo ya kusema mimi niko mzee kwa sababu Philippe alikuwa mzee kupita Nathanaël. Oh, vous voyez, moi je suis ancien, j'ai une bonne compréhension, non? Munaona mimi ni wa zamani, niko na kuelewa kuzuri hapana. Amen. Amina. Frère m'a dit, il ne l'avait pas reconnu parce qu'il s'est habillé comme un juif. Anasema asikumtambua kwa sababu alivala kama Myuda. Parce que tout le monde était habillé de la même manière. Kwa sababu watu wote walivala namna moja. Mais il a manifesté les signes du Messie. Alakini akaonesha alama ya Masia. Et quand Nathanaël a entendu ça, wakati Nathanaël akasikia ile, il ne pouvait plus encore bouger. Na kutenka. Il a compris que ça, akaelewa kwamba hii, c'est lui. Ni yeye. Il termine chez les Juifs. Anamaliza kwa Yuda. Il part chez les Samaritains. Anaenda tena kwa Samariti. Lisez Jean chapitre 4. Some Yohani sura ya 4. Est-ce qu'on peut lire ça? Eti tunaweza kusoma ile. Projetez-nous Jean 4. Mututilie Yohani. Il rencontre les Samaritains. Anakuta ole msamaria. Une femme. Mwanamke. Upui. Kule kukisima. Il commence à parler avec cette femme. Ananza kongea na ule mke. Lisons ça ensemble. Tusome pamoja sisi wote. Commençons au verset 3. Tuanze kumstari wa 3. Oh. Alors il quitta la Judée. Sasa katoka ku Yuda. Et retourna en Galilée. Na kurudia ku Galilea. Comme il fallait. J'aime beaucoup ces français ici. Vile lipaswa napenda hii. Comme Semo. Il fallait. Vile lipaswa. Pourquoi il fallait? Il lipaswa kwa nini? Il y avait une semence là-bas. Kulikuwa mbegu moja pale. C'est pourquoi obligatoirement il fallait qu'il passe par la Samarie. Jo kwa maana lipaswa pitie pa Samaria. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Bile lipaswa pitie pa Samaria. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sigar. Akafika mumuji wa Samaria yenye kuitwa Sigar. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Karibu na shamba yenye Jacob alipatia mtoto wake Yusufu. Là se trouvait le puits de Jacob. Pale palikuwa kisima ya Yakobo. Yesu. Fatigué du voyage. Mwenye kuchoka na safari. Était assis au bord du puits. Alikala kupembeli ya kisima. C'était environ la sixième heure. Ilikuwa ni musaka karibu ya sita. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Muke moja wa Samaria kaja kushota maji. Jésus lui dit. Yesu akamwambia. Donne-moi à boire. Unipatie maji ya kunywa. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Kwa sababu wanafunzi walienda kuuza vifaa. La femme samaritaine lui dit. Mule muke wa Samaria akamwambia. Comment toi qui es juif? Namna kani wewe mwenye kwa Myuda? Me demande tu à boire? Unaniomba maji? À moi qui suis une femme samaritaine. Mimi mwenye muke msamaria. La Bible dit les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Ndugu bwana Biblia inasema Bayuda bana na kupatana na wa Samaria. Jésus lui répondit. Yesu akamjibu. Si tu connaissais don de Dieu. Kama ulitambua ile zawadi ya Mungu. Et qui est celui qui te dit donne-moi à boire. Na uli ni nani mwenye anakuambia unipatie maji ya kunywa? Lui aurait toi-même demandé à boire. Au kupasha ulipasha wewe mwenye kumuomba maji ya kunywa. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Alipasha kupatia maji ya uzima. Seigneur. Bwana. Lui dit la femme. Hivi mkakamwambia.
Tu n'as rien pour puiser. Auna na kia kushota na kio. Et le puits est profond. Na ile kisima iku na upana kabisa. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Na we utapata wapi maji ya uzima? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Es-tu wewe kumukubwa kuzidi baba yetu Yakobo mwenye alitupatia hiki kisima? Et qui en a bu lui-même? Na yeye mwenye alikunywa. Ainsi que ses fils et ses troupeaux? Na watoto yake hata wakondo wake. Jésus lui répondit. Yesu akamujibu. Quiconque boit de cette eau, wote mwenye anakunywa hii maji, aura encore soif. Atakuwa tena na kiu. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme commence à voir que les choses commencent à devenir sérieuses. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Les choses commencent à changer. L'homme lui regarde. Il dit, femme, va, nenda, appelle ton mari. Ita mume wako. Eh? Na. Viens ici. Mkuje huku. Viens ici. Kuje huku. Viens ici. Na mkuje huku. La femme répondit. Muke akamjibu. Je n'ai point de mari. Sina na bwana. Jésus lui dit. Yesu akamjibu. Tu y as eu raison de dire je n'ai point de mari. Una sheria kusema sina na mume. Car? Sababu. Tu y as eu cinq maris. Ulikuwa na abo batano. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Na ulo kuna yapa sasa sio mume wako. En cela tu as dit vrai. Ukile unasema ukweli. N'oubliez pas que c'était la première contact. Musisabu ya kwamba ilikuwa ni mapatano ya kwanza. Entre Jésus. Kati ya Yesu. Et cette femme là. Na ule muke. Et vraiment dit que tout ce temps là. Na ndugu Branham sema ile wakati yote. Qu'est-ce que Jésus faisait? Yesu alikuwa anafanya nini? Il était en train de contacter son esprit. Alikuwa anapatana na roho yake. Oh, vous avez passé encore beaucoup d'autres choses? Seigneur, lui dit la femme. Bwana hivi muke akamwambia. Écoutez, je vois que tu es prophète. Naona ya kwamba wewe uko nabii. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Baba yetu bari abudu juu ya hii mlima. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Na wewe unasema fasi ya kuabudu ni ku Jerusalem. Femme lui dit Jésus. Muke hivi Yesu akamwambia. Crois-moi. Unyamini. L'air vient. Wakati nakuja. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Yenya itakuya hata kuimulima. Ni à Jérusalem. Hata ku Jerusalem. Que vous adorerez le Père. Wenye mutaabudu baba. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Munaabudu mwenye mufamu. Nous. Sisi. Nous adorons ce que nous connaissons. Tunaabudu mwenye tunafamu. Car salut vient des Juifs. Kwa sababu wokovu inatoka kwa Yuda. Mais l'heure vient. Lakini wakati nakuja. Est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit. Muke akamwambia, je sais que najua ya kwamba le Messie Masia doit venir. Anapaswa kuja. Celui qu'on appelle Christ. Mwenye banaita Kristu. Qu'est-ce qui a fait dire cette femme ici? Nini nilimfasha ule mukaseme vile? C'est par rapport au langage. Ni kufatana na miseme. Que cet homme tenait. Ya ule muntu. On dit que le prophète doit venir, le Messie doit venir. Manasema Masia anapaswa kuja. C'est lui qu'on appelle Christ. Mwenye wanaitwa Kristu. Quand il sera venu, wakati atakuja, il nous annoncera toutes ces choses. Ata tutangaziaka hivi vitu vyote. Jésus lui dit. Yesu akamwambia. Je le suis. Njomi yo huyu.
Je le suis. Ndomi euyu. Moi. Mimi. Qui te parle. Mwenye nasema na wewe. Il s'est présenté chez les Juifs. Alijitambulisha kwa Yuda. Chez les Samaritains. Hata kwa kwa Samari, Samaria. Maintenant, il reste un seul enfant de Noé. Na kuna baki mtoto mmoja wa Daudi. Fabana ma dice si d'abord. Kubrana anasema hivi. Qui est ce Melchisedek? Melchisedek kani. Au paragraphe 156. Kunukta ya 156. Vous êtes là? Eti muko. Vous êtes là? Eti muko. Ma sœur bo abafuriaka kama tunasema hivi vitu. Je ne sais pas bino angalia moyo bien nini. Je ne sais pas si ça ne vous concerne pas. Il y a d'autres qui ont les mains au jour. Kuna bengine bana mikono kumachafu. Mambo ya frère bana mbe kuna sehemu yeye kuna mkono kumachafu. Ah. Mama dit maintenant. Frère bana sema sasa. Nous avons eu 2000 ans d'enseignement. Tulikuwa na miaka 2000 ya mafundisho. En passant Mkupita, après les apôtres, kisha wanafunzi, par l'église catholique romaine, kupitia ile kanisa katoliki, puis de l'église romaine à la grecque, kisha kwa ile kanisa kwenda ku griki, jusqu'à l'âge de Luther, paka mukizazi kia Luther, de Wesley, kutoka Wesley, et encore par 900 organisations différentes, kupitia ile matengenezo 600 ya kuachana, au cours du temps. Ile mawakati. Ils ont eu l'enseignement de tous ces âges. Walipata mafundisho ya wale wa malaika wote. Oh, japo. Il a promis que alilaka ya kwamba juste avant que la fin des temps arrive. Mbele ya mwisho wa wakati fike. L'image de Sodome et Gomorrhe. Picha ya Sodome na Gomorrhe. Ce qui arrivera du temps de Sodome. Kile kilifika wakati ya Sodome. Arrivera de même à la fin des temps. Itafika kavya mfile wakati. Où le fils de l'homme sera révélé de nouveau. Kwenye mtoto wa Mungu atafunuliwa jipya. Encore un peu de temps. Tena muda chache. Le monde ne me verra plus. Ulimwengu haitaniona tena. Mais vous. Alakini nyinyi. Mais vous, alakini mwenye, vous les croyants, nini waminifu, mais vous, nini, vous me verrez. Mutanyonaka. Un pronom personnel. Il est msemo ya kipeke. Je serai avec vous. Takuyaka na mwenye, même en vous. Ata ndani mwenu, jusqu'à la consommation. Paka, à la fin du monde. Paka kumwisho ya ulimwengu. Il est le même hier. Aujourd'hui, Léo, et éternellement, vous voyez, munaona, d'après mon message d'hier, kufatana na ujumbe yangu ya jana, que les Samaritains venaient d'Agar. Ya kwamba wale wa Samaritani walikuwa wanatokea kwa Agar. Un type perverti. Ile mfano yenye kufuruka. Les Juifs venaient de Sara. Wa Yuda walikuwa wanatokea kwa Sara. Où étaient des Saraïtes. Ama walikuwa watu wa Sara. Mais les gentils. Lakini watu wa mataifa. Venaient de Marie. Walikuwa wanatokea kwa Maria. La semence royale. Ile mbeko ya ufalme. Les gentils c'est la semence royale. Watu wa mataifa ni mbeko ya ufalme. La semence royale. Mbeko ya ufalme. D'Abraham. Ya Ibrahimu. Or, japo. Il est promis que dans ces derniers jours. Ilakiwa ya kwamba muhima siku ya mwisho. Vous êtes là? Muko hapo. Ce même Dieu. Ule Mungu moja moja. Ce même Christ. Ule Christ moja. Reviendrait ici. Atarudiaka tena hapa. Et se révélerait. Na atajifunuaka. En tant que fils de l'homme. Kama vile mwana wa mutu. Brahma dit pourquoi? Brahma sema kwa nini? Il est le même hier. Eko moja moja jana. Aujourd'hui. Leo. Et éternellement. Ata milele. Il dit s'il a laissé ses juifs sentirer. Kama aliacha wale wa Yuda kutoka. Sentirer. Kutosha. Ils l'ont vu. Walimona. S'il leur a donné ce signe messianique. Kama alibapatia ile alama ya Masia. Il a donné aux Samaritains. Alipatia wa Samaria. Ensuite arrivé à la fin.
À la fin des enseignements des gentils. Kisha kufika kumwisho wa mafundisho, mafundisho ya watu wa mataifa. S'il laissait ceci entrer simplement sur base de la théorie. Kama aliacha hapa kuingia pa misingi ya mafundisho. Dieu serait injuste. Mungu atakuwa bila uhaki. Si les gentils vont entrer seulement sur base de la théorie. Oh, il avait de longs cheveux. Oh, il portait une longue robe. Oh, il était ceci. Et Dieu nous laisse entrer sur base de ça. Dieu serait comment? Injuste. Tuacha tu ingie mu misingi ya théologie atakuwa bila uhaki. Il serait injuste. Atakuwa bila uhaki. C'est pourquoi? Ndio kwa maana. Le même Dieu. Ule Mungu moja moja. Doit revenir. Anapaswa kuja. Pour que les gentils puissent aussi les voir. Njo watu wa mataifa wapate tena kumuona. Et pour venir, il ne choisit pas une autre saison. Na njo ya kuya chakule tena wakati ingine. Comme il aime le printemps. Vila anapenda printemps. Il est le Dieu du printemps. Ni Mungu wa printemps. Il se manifeste au printemps. Anajionesha paka mu printemps. C'est ainsi que le 6 avril 1909. Njo vile musiku ya sita ya mwezi wa nane 1909. On devait avoir la deuxième Noël sur la terre. Tulipaswa kupasha Noël ya pili pa udongo. Et comme dans la première Noël. Vile mu Noël ya kwanza. Une chorale était là. Koa moja ilikuwa pale. Elle a chanté. Aikaimba. Quand au deuxième Noël. Wakati ya Noël ya pili. Il y a eu aussi une chorale. Kulikuwa tena koa moja. La chorale du Rouge Gorge. Ile koa ya Rouge Gorge. Rouge Gorge. Rouge Gorge akaimba. Il a chanté. Akaimba. Connaissez-vous ce qu'il disait? Munajua kenye alikuwa anasema? Il est vivant. Eko mzima. Il est vivant. Eko mzima. Il est vivant. Eko mzima. Qui est vivant? Nani eko mzima? Le même Jésus. Yesu moja moja. Le même Christ. Kristo moja moja. Qui était venu au printemps en Orient. Mwenye alikuyaka ku printemps kwa asubuhi. C'est le même Christ. Ni moja moja Christ. Qui revient encore au printemps. Mwenye anarudia tena ku printemps. Mais cette fois-ci c'est en Occident. Lakini mara ku magharibi. C'est pourquoi frère Branham dit. Ndoko maana ndugu Branham anasema. Lors de sa naissance. Kukuzaliko kwake. À 3 minutes de sa naissance. Kudakika 3 ya kuzaliko kwake. 3 minutes seulement. Kudakika 3 tu. La colonne de feu descend. Nguzo la moto kashuka. La colonne de feu est venue. Nguza la moto kakuja. C'est quoi la colonne de feu? Nguza la moto ni nini? C'est la plénitude de la divinité. Ni utele ya umungu. C'est quoi la colonne de feu? Nguza la moto ni nini? C'est la parole. Ni neno. C'est Christ lui-même. Ni Christ mwenyewe. Qui est descendu de nouveau. Mwenye alishuka tena. Au printemps. Kule ku printemps. Au printemps. Ku printemps. Rouge Gorge a chanté. Rouge Gorge a kaimba. Il a salué. Aka saluti. La venue. Kule kuja. Du Messie. Kwa Masia. Le Messie. Masia. Je vous ai dit le vendredi. Nimeambia mwijuma. Quand Christ meurt. Wakati Christ anakufa. Il ressuscite. Anafufuka. Il ressuscite le Messie. Anafufuka Masia. Quelle que soit la forme qu'il prend, aizuru umbo yenye atachukua, il est toujours le Messie. Eko paka Masia. Même s'il prend la forme de l'animal, hata kama anachukua umbo ya nyama, il est toujours le Messie. Eko paka Masia. Ne le changez pas. Musimubadirishe. Il est toujours le Messie. Eko paka Masia. Amen. Amina. Il est toujours le Messie. Eko paka Masia. En Orient. Kule kwa asubuhi. Oh, mes frères et sœurs. Banduku na badada. Écoutez d'abord ce que faut pour nous ici. Sikieni kwanza kile ndugu Branham anasema. Alors que je commence maintenant à terminer. Pale naanza kumaliza. Il dit. Anasema. Dans la prédication. Mumahubiri. Dieu change-t-il sa parole au sujet de sa parole? Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Eti Mungu anabadilishaka wazo yake kuhusu neno lake. Vous êtes ici? Mkuapa.
Eh bien, Uzuri. Jésus est venu sous trois noms. Yesu alikuwa mumajina tatu. Fils de l'homme. Mwana wa mtu. Ce qui veut dire un prophète. Manake nabii. Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. C'est lui qui a parcouru les âges de l'église. Mwenye alitembea mbizazi vya kanisa. Puis fils de David. Kisha mwana wa Daudi. Mais alakini, entre le fils de Dieu et le fils de David, kati ya mwana wa Mungu na mwana wa Daudi, selon sa propre parole, kufatana na neno yake ya kipekee. Écoutez. Sikieni. Selon Malachie 4, kufatana na Malachi 4, et beaucoup d'autres passages d'écriture, na maandiko ingine ni. Alléluia. Amina. Bamadi, Brahma anasema, il doit retourner, anapasha kurudi, dans son église, mo kanisa yake, sous une forme physique, maumbo ya mtu. C'est ça la forme physique de Jésus aujourd'hui. Maumbo ya mtu ya Yesu leo. Nous si nous ne centrons sur base de théorie, Dieu est juste. Mungu ana uhaki. Et comme il s'est présenté chez les Juifs, chez les Samaritains, kwa Samaria, nous il ne traite pas par nous par intermédiaire. Lui-même. Yeye peke yake. Amen. Amina. N'est-ce pas vous chanter des fois? Ils viennent de l'Est et l'Ouest. Ils viennent de 21 pays. Manatokea mainchi ambari. Faites avec qui? Kusherekea na nani? Faites avec les rois. Kusherekea na mufalme. Comme ses invités. Kama vile benye kualiko bake. On les pèlerins soleni. Kama vile benye kusafiri balikuja. Contemplant son sein. Visage. Benye kutazama uso yake takatifu. Ce n'est pas un visage spirituel. Si sio uso ya kiroho. Ce n'est pas spirituel. Aina ya kiroho. C'est le visage physique. Ni uso ya mtu. C'est le visage physique. Ni uso ya mtu. Au printemps toujours. Paka mu printemps. Christ lui-même. Christ mwenyewe. Il n'y a pas de Christ. Akuikalake ba Kristo bawili. Il n'y a qu'un seul Christ. Ni yeye peke yake tu. Qui est venu chez les Juifs? Mwenye alikuwa kwa Yuda. Chez les Samaritains. Kwa Samaria. Et qui est venu encore chez les Juifs? Mwenye watu wa mataifa. Amen. Amina. Je ne vais pas. Mambo ya oh mimi nasikia boga ya adoration. Je sais que vous connaissez les dieux adorés. Vous les connaissez. Unajua Mungu wa kupata. Mais moi je parle de celui qui nous a visité aujourd'hui. Nasema ndio mwenye anatutembelea leo. Amen. Amina. Et quand il vous visite comme ça, wakati anakutembelea hivi, il devient la solution à vos problèmes. Anakuwa matokeo kwa mambo yako. Il était un jour en brousse. Alikuwa siku moja pori. Il voit un monsieur venir. Anaona bwana mmoja kuja. Il dit frère Branham. Anamuuliza ndugu Branham. L'ange dont tu as toujours parlé là. Malaika mwenyewe anatuambiaka ule. Il t'apparaît seulement la chair. Anakonekanika hapa kumimbali. Il lui demande. Anamuliza. C'est ce que tu penses? Njoo kile wewe unawaza. L'homme portait une lunette noire. Mtu alikuwa anavala macho mweusi. Mama dit c'est ce que tu penses? Ndugu Branham anamuliza, njoo kile wewe unawaza. L'homme avait un besoin. Mtu alikuwa anahitaji. Et quelque part il y avait aussi un besoin. Nafasi fulani kulikuwa hitaji nyingine. Alors femme nous commence à voir. Pale ndugu Branham anaanza kuona. Oui, je peux voir un petit enfant. Anasema naweza kuona mtoto mdogo. Il y avait un stylo qui jouait, il avait touché son nez. Mwenye alikuwa na kalamu iko anacheza na gusa ile. Il est allé chez le médecin. Akaenda kwa munganga. Et le médecin a dit que c'était terminé pour lui. Na munganga anasema alicho na kufa. C'est moi cet homme. Ndugu Branham ni mimi ndio ule mtu. C'est vrai?
Jovile. Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Ivi bwana nasema unapata onyo, unaponywa. Mais je vois aussi. Naona tena. Ta maman. Mama yako. Elle a un problème à la jambe. Eko na mambo kumukulu. Elle t'a dit. Alikuambia. Si tu trouves frère Branham. Kama tu unapata nduku Branham. Dites-lui qu'il prie pour ma jambe. Umwambia nyombe konjwa imukulu yangu. Ainsi dit le Seigneur. Ivi bwana nasema. Elle est guérie. Anaponyeshwa. Amen. Et la maman où était? Na mama kwenye alikuwa. Son problème a trouvé la solution. Mukulu yake na ponyeshwa kabisa. Il est allé un jour à l'hôpital. Akaenda siku moja kwa hospitali. Il prie pour une femme infirmière. Anaomba juu ya munganga moya. Margie Morgan. Infirmière est guérie. Ule munganga akaponyeshwa. Mais le médecin à côté commence à critiquer. Ule munganga anaanza kusimanga. Il devenait un critiqueur farouche. Anasema alikuwa wa kusimanga wa nguvu. Mais un jour, na siku moja, il a eu un problème au bras. Akapata mambo kumkono. Il part voir le médecin. Anaenda kuona munganga. Le médecin lui dit, munganga akamwambia, ton cas il faut couper seulement le bras. Mambo yako inapaswa kukate mkono yako. L'homme prend le téléphone. Muntu akachukua simu. Il appelle frère Branham. Anaita nduku Branham. Frère Branham. Nduku Branham. Le médecin ont dit. Mwanganga il wanasema, faut couper mon bras. Batakata mkono wangu. Mais toi frère Branham. Sasa wewe nduku Branham. Qu'est-ce que tu as dit? Unasema nini? Qu'est-ce que tu dis frère Branham? Wewe unasema nini nduku Branham? Frère Branham lui dit. Nduku Branham anamwambia. Je ne sais pas. Mimi sijui. Je ne sais pas. Sijui. Non frère Branham. Hapana nduku Branham. Qu'est-ce que tu dis, frère Branham? Wewe unasema nini ndugu Branham? Wewe umekupa le bras. Banikate mkono kweli? Je ne sais pas. Mimi sijui. Je ne sais pas. Sijui. Frère Branham. Ndugu Branham. Tu veux qu'on me coupe le bras? Unapenda tu banikate mkono? Je ne sais pas. Mimi sijui. Frère Branham. Ndugu Branham. Fait quelque chose. Anajua kitu fulani. Frère Branham dit, j'ai prié. Ndugu Branham anasema ndiboomba. Quelques jours après, masiku chache, l'homme appelle frère Branham. Muntu akaita ndugu Branham. Frère Branham. Anamwambia ndugu Branham. Les médecins ont changé d'avis. Wanganga wanabadilisha wazo yao. On ne peut pas, ils ont dit qu'on ne peut plus avoir coupé le bras. Wanasema hawezi tena kunikata ile mkono. Amen. Amina. Dieu. Mungu. Oh, écoutez encore ce que je dis. Sikieni tena kenya nasema. Dans la prédication. Umahubiri. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ ni moja moja jana leo hata milele. Prêchez le 10 août 1950. Yenye kubiriwa mwa 52. Paragraph. Faba namadi. Ndugu Branham anasema. Je crois que c'est la vérité. Naamini ya kwamba ni ukweli. Vous croyez aussi? Eti nyinyi pia. C'est la vérité? Ni ukweli. Je crois que c'est la vérité. Naamini ya kwamba ni kweli. Au jour du jugement, Dieu verra ce que ce soit la vérité. Siku ya hukumu Mungu atapendaka ya kwamba iko kweli. Dieu soutiendra ce qu'il dit être la vérité. Mungu atasimamiaka kenya nasema kwa ukweli. Ne le croyez-vous pas? Etia muyamini vile. Très bien. Muzuri. Maintenant. Sasa. Posons-nous simplement la question de savoir quel genre de personne était Jésus. Tujulize kwanza ya kwamba ni aina gani ya mtu ilikuwa Yesu. Eh bien, Muzuri. Je sais que nous avons des pensées théologiques. Nazani ya kwamba tuko na wazo ya kiteolojia. Et celles des artistes qui ont peint des tableaux. Na wale wenye kufanya kibao. Écoutez, musikieni. Ne les regardons pas sous la forme d'un tableau ce soir. Tusiangalie muumbo ya kibao imangaribi. Parce que kwa sababu, nous pourrions ne pas comprendre. Tunaweza kufika mnukta kwamba tusielewe. Mimi ni paka. Voyez cette photo ule, ici. Paka hii picha hii. Cette photo ici. Hii picha hii. Laissez-moi dire cette chose ici. Mnyache niseme hiki kitu. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. La pierre porte bonheur de Jésus. Ile jiwe ya faida ya Yesu. Jésus est comparé à un diamant dans son état brut. Bana mulinganisha na diamant mu hali yake ya kawaida.
Et frère Branham dit, ndugu Branham anasema, en Afrique, kule kwa Afrika, si vous prenez ce diamant dans son état brut, mukichukua ile diamant inatokea kwanza mbulongo, Branham dit, on va t'arrêter, tu seras prisonnier toute ta vie. Ndugu Branham anasema batakufunga na utakuwa mfungwa kila siku yote ya maisha yako. Comme toi, tu aimes toujours. C'est seulement ma photo. C'est mi Jésus dans pita. Son état brut. Ni Yesu kumwanzo mwanzo yake. Dans son état brut, tu es prisonnier toute ta vie. Muile ali yake huku mfungwa maisha yako yote mzima. Eh, il y a beaucoup de prisonniers. Na kuku wafungwa wengi hapa. Souvent quand je pars même visiter les gens, wakati mingi wakati naenda kutembelea watu, je regarde à leur mine, naangalia kubikubumbashi biabo, un prisonnier, umufungwa. Je pars dans des églises, naenda makanisa, je regarde devant, naangalia kumbele, prisonnier, mufungwa. Prisonnier, wafungwa. Prisonnier, wafungwa. Wafungwa. Nous, Jésus ne nous est pas parvenu dans son état brut. Yesu atikotonekanikie mwali yake ya kumwanzo ile. Il a fallu que le Père le taille. Ilipashwa baba mchongole. Il le taille. Amchongole. Oh, homme de douleur. Omuntu wa maumivu. Habitué à la souffrance. Mwenye kuzoea na mateso. Il a fallu qu'il soit taillé. Ilipashwa bamchongole. Et quand on termine à le tailler, wakati banamaliza kumchongola, il prend maintenant la véritable forme. Na anachukua umbo ya kweli. C'est alors qu'il nous est parvenu. Ndio pale anakuja kwetu. Et quand vous le recevez dans cette forme ici, na wakati unampokea mwile umbo, vous devenez un homme libre. Unakuwa mtu huru. Vous êtes guéri. Unaponyeshwa. Vous êtes satisfait. Pale unatosheka. Vous êtes heureux. Pale unakuwa waheri. Vous êtes heureux. Unakuwa waheri. Amen. Amina. Amen. Amina. Écoutez, j'ai terminé cette lecture. Sikieni kwanza nimalize. Bwana ne le regardo pas seulement sous forme de photo. Dukubana nasema tusimwangalie muumbo ya mapicha. Ne les regardons pas. Je sais que nous avons des pensées théologiques. Najua kama tunawazo ya kiteolojia. Et celle des artistes qui ont peint des tableaux. Na ile ya bale beko nafanya ile kibao. Ne les regardons pas sous la forme d'un tableau ce soir. Tusimwangalie muumbo ya kibao ijioni. Parce que kwa sababu nous pourrions ne pas comprendre. Tunawezi kufika mwatua ya kutusielewe. Mais alakini considérons-le dans sa vie. Tumwangalie mu maisha yake. Son esprit. Muro yake. Donc, basi. Jésus. Yesu. Lorsqu'il reviendra sur terre. Wakati atarudia pa ulongo. Corporellement. Kama vile mwili. Ce sera alors trop tard pour nous de passer à quoi ce soit à ce sujet. Itakuwa à quoi que ce soit à ce sujet. Tuwaze kile kitakuwa kuhusu imamu. Le croyez-vous? Eti mnayamini? À ce moment-là, mwile wakati, nous allons partir avec lui. Tutaenda pamoja naye. Ceux qui sont prêts. Bale beko tayari. Ainsi donc, hivi basi, lorsque nous les voyons dans une forme physique, wakati tunamwona muumbo ya bumuntu, peu importe aizuru, si il est un blanc, kama eko mzungu, un jaune, ama mtu wa jaune, un noir, ama mtu mweusi, un brun, ata mtu wa brun, quoi qu'il soit, akuwe waje, il est toujours mon sauveur, eko paka mokozi wangu. Qui peut dire amen? Et tu me laisses que c'est ma mina. Qui peut lever la main et dire amen? Anya laisse que nous connons que c'est ma mina. Il est toujours eko paka, qu'il soit noir, awe mweusi, qu'il soit blanc, awe mweupe, bronzé, awe mwa bronzé. Mais moi quand je le vois, mimi wakati namona, sur la forme physique, muumbo ya bumuntu, il est qui? Eko nani? Il est toujours mon sauveur. Eko paka mkombozi wangu. Il est le même Jésus. Eko Yesu moja moja.
Il est toujours mon sauveur. Eko papa paka mkombozi wangu. Frère Branham dit. Frère ndugu Branham anasema. Même si il est un petit homme. Ata kama ni mtu mfupi. Un maigre. Muntu mukonde. Un homme mince. Ata mtu mwembamba. Il est mon sauveur. Eko paka mkombozi wangu. Il dit, voyez-vous? Anasema eti munaona. Je l'aime. Na mupenda. Je l'aime tant. Na mupenda kabisa. Je l'aime de tout mon cœur. Na mupenda na moyo mzima. Mais ce qu'il était. Alakini kenye alikuwa. Ce n'était pas tellement la chair. Alikukwe mwili. Mais la chair était merveilleuse. Alakini ilikuwa mwili ya damani. Ce corps était né d'une vierge. I mwili lizarikwa na bikira. Croyez-vous cela? Eti mnaamini ile. Je crois que le tout puissant a recouvert la Vierge Marie de son ombre. Naweza ya kwamba ule mwenyezi alifunga ule bikira Maria na kivu chake. A créé une cellule de sang dans le sein de Marie. Akaumba chembe ya damu mule mtumbo ya Maria. Eko paka mkombozi wangu. Dans cet âge. Mwiki kizazi. Nous avons reçu Christ lui-même. Tulipokea Kristo mwenyewe. Qui est venu au printemps. Mwenye alikuwa mu printemps. Pour nous donner la vie. Njua kupatia uzima. Pour nous apporter la solution à tous nos problèmes. Njua kupatia jibu ku mambo yetu yote. Et je voulais vous dire na napenda kumiambia, dans toute l'histoire de la Bible muadisi yote ya Biblia, les trois étoiles se sont croisées que des fois. Ile manyota tatu likutana mala mbili tu. Du temps de Jésus mwakati ya Yesu, au printemps, kule ku printemps et le 6 avril na musiku ya sita ya mwezi wa ine. C'est pourquoi vous allez entendre Frère Branham, il partait quelque part, une femme la regarde comme ça et dit, viens. Est-ce que on t'a déjà dit que une lumière te suit? Ndio kwa maana mtona ndugu Branham alikuwa anaenda fasi fulani, umuke moja kamuita kumwambia kuja. Eti unajuaka kwamba nuru moja kuna kufata. Et dans la prédication le 24 ancien. Na mwile mahubiri. Fema na maji. Ndugu Branham anasema. Cette lumière ici. Hii nuru. C'est la lumière du Seigneur. Ni nuru ya Bwana. Et elle suit toujours le Seigneur. Na inafataka kila wakati Bwana. Elle ne peut pas suivre n'importe qui. Aiezi nafata mtu yoyote. Il a fallu que le printemps soit là. Ili pasha printemps ikuye. Pour que Dieu puisse visiter cette génération. Jo Mungu atembele ikizazi. Amen. Amina. Et quand vous recevez Branham, na wakati unapokea Branham, c'est le don de Dieu que vous avez reçu. Ni zawadi ya Mungu ambao unapokea. Oh mes frères et sœurs. Mandugu na badada. Si les Juifs, kama Wayuda, à cause de Salomon, sababu ya Salomon, un petit don seulement, ile zawadi kidogo, les Juifs ont vécu un âge d'or. Wayuda wakapata kizazi ya zahabu. Qu'en est-il de toi et moi ce matin? Itakuwaje juu yako na mimi? Qui avons reçu un plus grand don? Que Dieu donne à cette génération. Frère Branham dit, quand vous recevez un don de Dieu, vous devez vivre un âge d'or. Je vous dis ce matin, vivez un âge d'or. Vivez un âge d'or. Vivez un âge d'or. Vivez un âge d'or. Dans vos affaires, un âge d'or. Dans vos maisons, un âge d'or. Vos enfants, un âge d'or. Un âge d'or. Partout, vivez un âge d'or. Soyez des hommes influents. Soyez des femmes influentes. Les bénis de Dieu. Que votre influence puisse influencer toute cette vie. Pourquoi? Vous avez reçu. Si un don de Dieu. Unapokea zawadi ya Mungu. Qui est venu au printemps. Yenye na kwa printemps. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le pasteur Wesley. Wanabariki mchungaji Wesley. Vraiment c'est un printemps. Kabisa ni printemps. Vraiment, Dieu nous a visités. Merci pour la visitation. Merci pour la visitation. Frère Branham dit, quand vous voyez
Wakati munaona la parole de Dieu est rendue manifeste. Neno la Mungu inaonekanika. Vous avez vu Dieu le Père. Hivi munaona Mungu Baba. Quand vous voyez wakati munaona une promesse de Dieu accomplie. Malako ya Mungu kutimizika. Vous avez vu munaona Dieu le Père. Mungu Baba. Et l'évangélisation au temps de la fin. L'évangile au temps de la fin. La bonne nouvelle au temps de la fin. La nouvelle qui réjouit l'épouse au temps de la fin. La bonne nouvelle qu'il est ressuscité au temps de la fin. Présentez Christ au temps de la fin. Parlez de la Noël au temps de la fin. Parlez de Jésus-Christ au temps de la fin. Rien que Malachi 4 dit le prophète Branham. Rien que Malachi 4 toute autre promesse n'est que du sable mouvant. Parlez de la forme de Christ. C'est parler de Malachi 4. Parlez du printemps. C'est parler de Malachi 4. Parlez de la seconde. C'est parler de Malachi 4. Et qui dit Malachi 4? Qui parle de Malachi 4? Ne fait pas marcher les mots. Ne fait pas marcher les mots. Quand tu parles de Malachi 4, tu dois parler de Frère Branham. Frère Branham doit être dans les tableaux. Il est le passage obligé. Il est le passage obligé. Christ doit passer par Frère Branham. Christ on a pas pour se manifester. C'est son temple choisi au temps du soir. Ni makao yake ni kuchakula mwakati ya mwisho. C'est sa forme choisie au temps du soir. Ni umbo yake ni kuchakua mwakati ya mwisho. Elle vient de l'est et d'ouest. C'est ça le message au temps du soir. Joe, jumbe wakati ya mwisho. Ce sont là les promesses du temps du soir. Ile ndio malango ya wakati ya magharibi. C'est ça qui apporte la vie au printemps. Joe, il est la lettre aussi mon printemps. C'est ça même le printemps. Ile ndio printemps yenyewe. Numéro 3, quoi seulement. Ils viennent de l'est et d'ouest. Oui, ils viennent de l'est et d'ouest. Avec lui, comme c'est convient, auquel père en béni, contemplant son saint visage. Yeah.
accepté. Il n'y a plus de punition. Yeah.
soucis, sans jouer pour moi. Mon âme, mon âme était comme lui. Maintenant, oui, je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Noé avait bien navigué sur les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Les ennuis étaient au rendez-vous, mais non pas du ciel. Dieu lui envoya un signe pour dire Noé, Noé, tu es exaucé. Bien de manière.
D'un agneau pour aller vers les pécheurs. Pendant que nous sommes debout, on peut chanter. Dieu a pourvu d'un agneau. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Oui, Dieu a pourvu d'un agneau. Et l'agneau qui est venu, c'est pour ôter le péché. Oui, tu es approuvé d'un agneau. Pour enlever mes péchés. J'aimerais que ce matin, chacun de nous trouve l'agneau pascal. Umoja wetu apate mwanakondoo pasaka. Jésus, pitié de moi, Jésus,
moi. Aie pitié de moi. Oh Jésus. Jésus, Fils de Dieu. Oh, enlève. Enlève de mon cœur. De mon cœur. Du temps de dignité. Mais la lumière apparaît. Bonsoir mes amis, le Seigneur m'ouvrit les yeux, et maintenant je peux voir, mais la lumière apparaît. Bonsoir mes amis, le Seigneur m'ouvrit les yeux, et maintenant je peux voir. Jésus, Fils de Dieu, enlève, enlève de mon cœur, de mon cœur, tout est. Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, Jésus, Fils de Dieu, enlève, enlève de mon cœur. Sans la musique, avec nos voix, s'il vous plaît, sans la musique. De la musique. Jésus, aie pitié de moi. Pitié avec nos voix, s'il vous plaît. Jésus. Jésus, Fils de Dieu. Enlève. Enlève de mon cœur. Et mon cœur tout est. Encore une fois avec nos voix. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Jésus. Jésus. Fils de Dieu, enlève, enlève de mon cœur, de mon cœur tout est. Encore une fois, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi. C'est vrai qu'il a eu pitié de nous. Jésus, Fils de Dieu, enlève, enlève de mon cœur. Collant ne te fait maintenant je peux voir la colonne on ne te fait et maintenant je peux voir le baptême du Saint-Esprit et maintenant je peux voir le et maintenant je peux voir. Oh oui, les étés bonheurs. Et maintenant je peux voir. Oh oui, la grande nuée des gloires. Oh, et maintenant les étés bonheurs. Et maintenant. Thank you.
Oh, allez, Dieu du ciel, 3 fois 5, tu l'es, Père Céleste. Toi le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Toi l'hélice de la vallée. Toi la rose des Sarons. Toi la grande lumière vivifiante. Toi le soleil du printemps. Toi le restaurateur de la vie. Toi la pierre de jaspe et de sardoine. Toi l'hélice de la vallée. Toi la grande lumière qui a parcouru la terre et qui a fait sortir la vie de tout ce qui était mort. Toi la grande voix qui appela toutes choses à l'existence. Toi le Dieu de la Bible. Toi le Dieu des apôtres. Toi le Dieu de Malachie 4. Toi le grand El et la Elohim. Toi la grande puissance invisible. L'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Oh Dieu, tu es le tout en tout et le parfait en soi-même, Père. Nous venons auprès de toi, Dieu d'amour. Père, tu nous as parlé de ta part, oh Dieu, au travers de ton serviteur, divin sauveur. Nous avons besoin d'un prétend vivant, d'un prétend qui bouillonne, d'un prétend qui restaure la vie, d'un prétend qui amène la résurrection, d'un prétend qui guérit, d'un prétend qui console, d'un prétend qui peut enlever le péché, d'un prétend qui peut sauver, d'un prétend qui peut ressusciter ceux qui dormaient, d'un prétend qui peut bénir spirituellement, qui peut bénir matériellement, qui peut bénir financièrement, qui peut bénir sur tous les plans, d'un prétend vivant, ô Dieu de grâce, toi le grand Dieu qui était là dans l'histoire et qui a dit que tu peux sortir de l'histoire et être un Dieu présent. Je t'invite ce matin, Père, sur Israël Tabernacle. Dieu bien-aimé, tes oracles ont été proclamés. Voici tes enfants. Qui a un problème? Qui a un péché quelque part? Qui est dépassé par des situations? Ouvre les cieux, Père. Ouvre tes écluses du ciel, Dieu vivant. Touche, Père. Transforme et donne la vie. Guéris, Père Céleste, quelque part où il y avait une maladie qui traînait. Seigneur, nos requêtes sont auprès de toi. Console l'affligé, comme ta parole est proclamée. Toi le grand Dieu qui est descendu sous la forme humaine, nous t'avons cru, Père. Nous voulons voir les fruits de ces eaux agitées au milieu de nous. Père éternel, Prince de la paix, s'il y avait quelqu'un ici qui a franchi ses portes avec une maladie incurable, Père, que tu les guérisses pour la gloire de ton Saint-Nom. S'il y avait quelqu'un avec un problème, alors qu'il entre dans ta présence au temps présent, Père, qu'il reçoive la solution. S'il y avait quelqu'un dépassé, qui ne savait pas où s'en tenir, qui n'avait plus de secours dans la chair, abandonné par les hommes de ce monde, abandonné par les solutions de ce monde. Père éternel, toi le grand Dieu du ciel, toi qui pouvais faire sortir l'eau du rocher dans un désert sec, oh Dieu vivant, tu es la même source ce matin. Puisses-tu, Père, dans ce désert sec de mon frère, là où il n'y a pas de vie, comme tu avais fait pour cet enfant d'Abraham qui était parti avec sa mère alors qu'il y avait la caille pour elle. Dieu vivant, que du désert sec jaillisse la vie, car tu
tu es la grande gloire de la Shekinah qui fait bourgeonner les arbres secs. Dans ta présence, tout fleurit. Dans ta présence, tout bourgeonne. Dans ta présence, il n'y a pas de problème. Dans ta présence, c'est la paix qui règne. Dans ta présence, c'est la joie qui triomphe. Dans ta présence, c'est une éternité sans fin. Dans ta présence, c'est la solution à tous les problèmes. Dans ta présence, Seigneur, tout est parfait. Oh Dieu, renforce la vie de ces pèlerins et passagers. Alors qu'il y a beaucoup de tourments du diable qui les attend juste après maintenant. Seigneur, mais que cela n'ôte pas la foi en toi en eux, Seigneur. Que la même chaleur de l'esprit les accompagne tout le reste de leur vie sur la terre. Qu'ils vivent à tous égards, prospèrent à tous égards, et qu'ils réussissent à tous égards, et tout ce qu'ils vont toucher, que cela prospère. Seigneur, que chaque terrain sur lequel ils planteront, ils poseront la plante de leurs pieds, tu leur donnes en possession au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que dès ce matin, Seigneur, que plus jamais personne ne vive dans le désespoir, car toi tu es la pierre porte-bonheur et tu es la petite fleur dans leur vie. Seigneur, tu feras que tout aille en leur faveur. Seigneur, les anges, le prophète nous dit qu'ils sont à notre service. Tu as créé les anges pour qu'ils soient à notre service. Dieu bien-aimé, comme tes enfants, nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu ordonnes aux anges de nous protéger et de prendre soin de nous, Seigneur, dès ce matin et pour toujours. Dieu vivant, bénis le pasteur Wesley, bénis son œuvre, bénis son foyer. Nous le remettons entre tes mains, Seigneur. Nous savons ce que c'est que d'apporter la parole sous onction. C'est toi qui as placé les dons. Restaure-les. Fortifie-les. Bénis son ministère. Nous remettons la récolte des dîmes et des offrandes entre tes mains. Pour la gloire du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu vous bénisse. Un chant pendant qu'on récolte les dîmes et les offrandes. Yeah.
te dis de plaire, le moissonner en les crèmes, en sablin, les belles gemmes. Oui, nous aimerons partout, sans craindre ni défaillir, rassembler. Oh oui, je veux rassembler. J'ai le